Здравейте, колеги! Благодаря ви, че избрахте днес да сте с нас. Днес с нас е и Анна Мария. Тя е от издателство Eli Publishing. Също така е автор на Вид. След малко тя ще ни представи по-подробно, особено от първо лице като автор, системата. А, като в по-голямата част, тя ще представя дигиталната версия на вид, която тя има. Но а, да знаете, че нашата версия се намира в Изи. Има допълнителни дигитални ресурси в Изи за, за Вите, така че а, просто да знаете а, тази разлика. que ne français, je avec Bonjour, bonjour et bienvenue. Vous m'entendez bien? Merci. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous rencontrer. Enfin, je ne vous vois pas, mais enfin, je pense que enfin, c'est un plaisir quand même. Euh, je garde des très bons souvenirs de votre, de votre pays de Sofia où j'ai été il y a bon avant la covid donc j'espère ah ben je vois quelqu'un très bien bonjour bonjour alors j'espère pouvoir vous rencontrer un jour donc j'espère revenir vous voir mais si vous voulez on va commencer tout de suite alors je vais euh, tout d'abord partager mon euh, PowerPoint, et puis on va, euh, moi je vous montrerai Vite à partir de euh, euh, d'une plateforme, d'accord Mais en fait, ce que vous avez, c'est la même chose. Alors, euh, donc, le constat qui est à la base de l'idée de, de, de Vite, c'est que la langue française on l'apprend pour n'importe quelle langue hein, même la langue anglaise ou même votre langue on l'apprend pour communiquer et pour communiquer à l'oral et bien évidemment à l'écrit donc aujourd'hui on doit je vais vous montrer des outils hein, des outils euh, papier même numérique pour enfin numérique euh, audio euh, pour pouvoir permettre à vos élèves de euh, échanger dans le monde francophone. Euh, donc, les outils euh, en tant que vocabulaire, grammaire, les fonctions communicatives seront euh, présentés. Je vous présenterai donc tous ces outils pour un enseignement efficace. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à... Euh, m'interrompre et me poser des questions. Alors, je, je veux vous avertir que si vous écrivez, vous allez écrire dans votre langue, que moi, je ne comprends pas. Donc, il vaut mieux m'arrêter et poser des questions à l'oral. Est-ce que c'est bien clair? Oui ou non? Oui, oui. D'accord. Alors, oui, je peux y aller? Alors, la, tout d'abord, il faut motiver les élèves. Il faut motiver les élèves parce que grâce à la, à la motivation, l'élève pourra s'engager dans toutes les activités que nous, on va leur proposer en classe. Hum? Sans la motivation, eh bien, les élèves euh, qui sont des petits cancres, eh bien, ils font presque rien. Donc, il faut toujours les motiver avec des activités euh, attrayantes et des activités variées. Alors, le cadre commun européen de, euh, européen de référence, est-ce que vous le suivez dans votre pays? Oui, je pense que oui. Hum? Euh, nous conseillons de produire à partir des informations partagées de produire des actions et de faire, de partager aussi des actions communes à visée collective, mais et de ne plus agir sur l'interlocuteur, mais avec l'interlocuteur, c'est-à-dire avec l'aide de nos élèves, et de faire en sorte que l'apprentissage soit gratifiant et utile à l'élève, puisque dès que l'élève s'aperçoit que l'apprentissage est utile, il va apprendre c'est à dire nous on doit montrer à nos élèves tu vas étudier si vous voulez cette règle de grammaire pour faire pour pouvoir un jour parler pour pouvoir un jour écrire pour pouvoir un jour faire quelque chose d'accord alors voici le livre vite le tableau de contenu déjà dans le tableau de contenu vous allez voir qu'il y a des contenus qui sont adaptés aux élèves et qui sont fonctionnels à la communication. Donc, le maître mot de notre euh, enseignement, c'est la communication. Ce qui est important aussi pour l'élève, qu'on doit que tous nos cours, nos leçons, soient, euh, puissent avoir comme source les vécus sociaux des élèves. Donc, on doit le, leur montrer des euh, contenus qui sont proches de, son, de leur âge et des contenus qui l'intéressent. Bon, par exemple, dans ce cas, c'est faire du shopping. Ben, surtout les filles, eh bien, elles aiment faire euh, du shopping. Hmm? Des modèles qui mettent l'accent sur la personne humaine, c'est-à-dire des modèles qui permettent à nos élèves de... Communiquer. Dans ce cas, c'est par exemple parler de la famille et parler de la maison. Dans n'importe quelle communication, dans n'importe quel dialogue, il y aura un jour quelqu'un qui va poser une question à vos élèves sur sa famille, sur sur leur famille ou leur maison. On va continuer et des modèles linguistiques qu'il faut mémoriser et qui permettront à, aux élèves de développer sa capacité à les utiliser de manière adéquate et de pouvoir communiquer de manière cohérente et surtout adaptée à la hum, situation. Hum? Et on va voir comment faire. L'interaction sociale, c'est très important l'interaction. C'est un, un des mots clés dans, euh, de, la, de la communication, de l'apprentissage d'une langue. En effet, quand euh, on apprend une langue, comme je l'ai dit au début, c'est on apprend une langue pour communiquer. Vous avez appris votre langue maternelle pour pouvoir parler avec quelqu'un. Et là c'est l'interaction, c'est-à-dire quand une personne A parle avec une autre personne B, d'accord? Et dans ce cas, on, fait, on a des jeux de rôle. L'activité c'est un jeu de rôle. Là, les jeux de rôle, il y en a euh, il y a dans le manuel des nombreux jeux de rôle permettent à deux élèves deux autres deux acteurs, comme le, le nom le cadre, d'interagir sur un sujet connu en utilisant des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Les savoirs, si vous voulez, c'est le lexique et la grammaire. Les savoir-faire, ce sont les actes euh, de communication, les fonctions linguistiques. Et les savoir-être, c'est sa personne. Hum? La grammaire. Alors, quand on en communique, on doit, comme on avait dit, utiliser les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Donc, les savoirs, c'est le lexique, je vous avais dit. Les savoir-faire, c'est les actes linguistiques. Les savoir-être, c'est la personne. Et il y a aussi dans le savoir la grammaire. La grammaire permet à l'élève de... Comprendre et de s'exprimer de manière euh, cohérente et d'exprimer du sens en produisant des phrases bien formées. Si par exemple, on, on parle avec quelqu'un, je dis moi j'ai une grande sœur, hein? et si je lui dis par contre euh, ma sœur et j'ai une grande sœur, bon, ça fait. C'est pas trop, trop incompréhensible parce que, quand même, euh, je, 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 il y a soeur, donc ça se comprend que j'ai une soeur qui est plus âgée que moi. Mais si je dis j'ai une soeur et je suis une soeur, là, c'est incompréhensible. Donc, la grammaire, elle est importante parce que permet à l'élève de s'exprimer avec du sens et de produire des phrases bien formées. D'accord Donc, disons que, bon, euh, la grammaire, il faut travailler la grammaire avec les élèves, mais quand même, il ne faut pas trop, trop axer. C'est-à-dire que la grammaire fait partie de la communication de manière équilibrée avec le lexique et les fonctions communicatives. Dans vite, on travaille donc. Nous allons voir les, euh, la compréhension de l'oral, le lexique, les fonctions communicatives et donc l'interaction, la composante euh, grammaticale. Et puis il y a des, des pages qui sont dédiées aux quatre modes de communication, c'est-à-dire à, à l'écoute, à la production orale. À la lecture et à la production écrite. L'interaction, on l'a déjà travaillée. Hein. Pourquoi Parce qu'en fait, dans la vie de tous les jours, et, et de manière, euh, disons, euh, avec un fil rouge qui lie ces quatre modes de communication. Pourquoi Parce que dans la vie de tous les jours, on, euh, quand euh, il y a un dialogue, quand il y a une communication avec quelqu'un, on n'écoute pas seulement, mais on intervient. On, euh, si on écrit, on, on réfléchit, on parle par exemple avec quelqu'un pour interagir, pour parler du contenu de notre euh, lettre, par exemple de notre email. Donc, on doit présenter des euh, modes de communication qui sont liés euh, l'un à l'autre comme dans la vie de tous les jours. Hein et puis, il y a des pages qui sont dédiées à la culture euh, francophone et qui permettent aux élèves de s'informer et aussi de discuter. Dans ce cas, on présente la francophonie et c'est aussi pour montrer à nos élèves que le français, ce n'est pas une langue qu'on parle, il ne s'agit plus seulement d'une langue qu'on parle en France, mais s'agit d'une belle langue qu'on parle dans le monde entier. Et il y a une carte qui leur montrera dans combien de pays on parle la langue française. Oh, et surtout, on utilise la langue française pour communiquer. Donc, si un jour ils voudront aller travailler à l'étranger, on va leur montrer qu'ils auront besoin de cette langue. Vous voyez, là, c'est une manière de motiver vos élèves. Euh, vous allez dire, tu apprends pas la langue française seulement pour me faire plaisir, hein? Mais c'est parce que la langue française, elle pourra te euh, être utile pour ton futur. Et pour euh, développer l'autonomie le sans critique et la responsabilité des élèves. Donc, jusqu'à là, on a travaillé sur la motivation. Là, on travaille sur l'auto-évaluation qui permet aux, élè aux élèves de développer son autonomie, son sens critique et la sa responsabilité. Et on va voir comment. Euh, dans le cadre, on parle de médiation et d'interaction. Donc, jusqu'à maintenant, on a parlé de quatre modes de communication, euh, production orale, production écrite, compréhension orale, compréhension écrite. On avait parlé de, euh, interaction avec les jeux de rôle et on parle de médiation, c'est-à-dire de transmettre du contenu. Dans ce cas, on le transmet à travers la chanson, hein, parce que ce sont des petites chansons qui permettent, qui ont l'objectif de faire mémoriser certaines euh, euh, par exemple du lexique hein? bon vous allez aussi les travailler ces chansons pour développer la compréhension de l'oral et puis un projet hein? euh, qui permet à la fois de euh, à vos élèves de jouer hein? qui permet de utiliser tout ce qu'ils ont appris dans l'année scolaire qui permet donc de réviser et de mémoriser en faisant quelque chose. est-ce que dans vos classes, vous organisez des euh, galas de fin d'année, des fêtes de fin d'année dans la, vos classes, dans vos établissements? oui ou non? non. visiblement, cela dépend des établissements. dans certains, oui, dans d'autres non. D'accord. Mais par exemple, est-ce que vous avez des journées portes ouvertes aussi pour montrer ce que vous faites en classe avec euh, vos élèves, aux autres élèves qui veulent s'inscrire dans votre établissement? Non. Oui, mais alors on présente plutôt les. Comment dire? Les. Ça sera les spécificités de, du lycée. C'est-à-dire que si c'est un lycée euh, de mathématiques ou d'art, on va plutôt accentuer là-dessus. Ah, d'accord. Pas sur l'enseignement des langues. Comment ça se passe bah, euh, D'après ce que je sais, VIT n'est pas pour euh, l'enseignement des langues dans des lycées bilingues. Au euh, lycée, euh, c'est plus un. un... C'est en tant que de seconde langue, non Oui, mais bon. Bah, bon du moins, ici, c'est utilisé en Bulgarie comme. Euh, un manuel de seconde langue. Mais même comme deuxième langue, vous montrez pas aux parents comment vous l'utilisez, vous, vous, vous euh, enseignez le, les langues étrangères, non Ça se fait pas ça euh, Du moins euh, là où j'enseigne, non Ah d'accord. Bon alors j'ai compris. Donc euh, ça c'est un projet que vous pourrez euh, créer, mettre en place avec vos élèves pour les motiver encore plus, pour les engager hein, dans l'apprentissage d'une langue, hein, de n'importe quelle langue. Et donc ça, c'est un outil ludique qui permet à vos élèves de communiquer. Hein. Alors, je reviens un instant sur les cahiers. Hein. Le cahier euh, suit le pas à pas, le, le manuel, c'est à dire que dans les cahiers, donc qu'ils ont, je pense qu'ils vont utiliser à la maison hein, pour un travail autonome, les élèves, comme ils sont autonomes, ils doivent être encore plus guidés qu'en classe. Donc là, ils ont des points de repère pour des activités qui sont proposés pour mieux mémoriser les structures des grammaires, le lexique, les fonctions communicatives. Et dans n'importe quelle page, comme je vous montrerai, il y a un, un lien avec le qui est très clair avec le manuel. Donc, ils peuvent pas avoir des problèmes pour euh, faire les activités hein, qui vous leur donnez. Alors dans le euh, livre, dans le manuel, nous avons vu qu'il y avait une page dédiée à l'auto évaluation, qui est très importante pour permettre aux élèves de développer leur sens critique, leur sens euh, de leur, leur, comment dire leur sens euh, de responsabilité, hein, leur engagement. Et là aussi. Dans le, dans le cahier, où il y a aussi le tableau de conjugaison des verbes. Vous avez également un guide du professeur, où il y a euh, des corrigés de tous les exercices, et puis il y a des tests, c'est-à-dire des contrôles qui sont déjà prêts. Est-ce que vous utilisez des contrôles pour vos élèves, parce que je pense que vous leur donnez des notes. Oui ou non? Oui, d'accord. Donc vous avez un test d'entrée pour la première année, la toute la première année, puis il y a un bilan pour chaque unité. Vous avez un bilan 1A et 1B, c'est à dire euh, deux bilans pour chaque unité. Hmm et puis il y a les, une fiche de rattrapage si les bilans, euh, dans le bilan l'élève a eu une, une note pas suffisante n'a pas eu la moyenne vous pouvez leur donner lui donner cette fiche euh, pour rattraper hein? ou comme action de rattrapage c'est un outil de rattrapage des tests de savoir faire où vous pourrez avec lesquels vous pourrez euh, évaluer l'écoute, la production orale, la compréhension écrite et la production écrite. Et voilà, on passe à... Euh, attendez, je vais... On n'a pas terminé. Alors, euh, entre-temps, avant de... Passer au livre, donc à l'examiner, l'évaluer dans les détails. Euh, je me permets de vous souhaiter, même avec un jour de retard, euh, mes meilleurs voeux parce que hier c'était la fête de tous les professeurs de français dans le monde. Est-ce que vous avez fêté cette journée dans votre pays, en Bulgarie? Non? à ma connaissance. Ah, vous savez que c'était un, euh... Je ne me rappelle plus la date, en fait c'était avant la COVID. Malheureusement aujourd'hui on parle toujours avant la COVID et après la COVID. De toute façon c'était avant la COVID. Le, le président français Emmanuel Macron, il a dédié le 23 novembre euh, cette journée. À, la, à tous les professeurs de français du monde, donc tous les ans, le 23 novembre dans le monde entier on fête les professeurs de français, donc en fait c'était notre fête et nous sommes à l'honneur et le thème de cette année c'était, nous sommes fiers d'être professeurs de français et donc moi je suis fière d'être professeur de français, je pense que vous aussi, et d'être Aujourd'hui ici avec vous. Donc tous mes meilleurs vœux. Si vous allez, euh, si vous euh, écrivez sur le web euh, les jours euh, des professeurs, les jours du pro des profs, vous allez voir que il y a hier il y a eu des des fêtes partout dans le monde qui ont été organisées par toutes les associations de professeurs de français dans le monde entier. Mais passons à vite. Alors, commençons par le, le tableau de contenu. Donc, vous avez des, euh, des unités avec une manière très claire de présenter les contenus, le lexique, la communication, la grammaire, puis aussi le son et les lettres, c'est-à-dire la phonétique et les savoir-faire. Et puis, il y a des contenus liés à la civilisation. Pourquoi on a fait ce choix Parce que de cette manière, les élèves, vous savez que les élèves, de fois, ils ont des difficultés hein, à se repérer, à se retrouver dans le manuel. Euh, par contre, là, ils se retrouvent de manière simple. Ils, ils peuvent, même s'ils travaillent de manière autonome, ils savent tout de suite où ils sont. Euh, donc là, l'unité zéro, c'est un, une, une marche, si on peut dire comme ça, euh, qui permet aux élèves de se rapprocher de la France. Donc, on situe les élèves, les personnages de, de Vite, donc euh, Caroline et ses amis. Donc, ils, ils habitaient à Biarritz, ils vont faire un tour à Bordeaux, à tour là pour arriver à Paris. Euh, on montre aux élèves que déjà, ils ont des connaissances euh, liées à la langue française, à la, à la culture française, parce que, par exemple, ils connaissent bien évidemment certains monuments euh, parisiens, mais aussi, par exemple, un croissant et d'autres mots. Hein et puis cette page, je trouve cette page. Moi, je pensais cette page. Je l'ai pensée parce que euh, je l'ai testée en classe et je, je, je l'ai pensée avec mes élèves. Hmm. Normalement, quand nous on a un, un manuel, c'est un manuel que nous avons choisi. Ce n'est pas que les élèves ils ont choisi. C'est nous on choisit le matériel, le manuel en fonction de nos élèves, de notre classe. Mais on le choisit a priori. Sans connaître la classe. Si on veut vraiment impliquer l'élève dans le manuel, il faut lui faire découvrir le manuel. Euh, donc, euh, moi, j'ai dédié au moins euh, une leçon ou peut-être une leçon et demie à la découverte, à permettre à mes élèves de découvrir le manuel afin qu'ils se rendent compte qu'est-ce qu'une une activité ou qu'est-ce qu'une page, qu'est-ce qu'on présente dans une page. Donc, je vous conseille de faire ça parce que ça permet d'impliquer les élèves hein, dans leur processus d'apprentissage. Alors, on va analyser avec vous l'unité 7 chez Thomas. Déjà, il y a un dessin, un dessin que vous pouvez travailler avec les élèves en utilisant, ils n'ont pas des moyens linguistiques là, hein, parce que, effectivement on parle de la maison, mais on n'a pas encore présenté le lexique lié à la maison, donc ils ne peuvent pas, vous ne pouvez pas lui dire qu'est-ce que tu vois là, oui, vous pouvez leur dire qui sont les personnages, parce que quand même, ils, ils connaissent. Hein. Est-ce que vous voyez où je vais agrandir un peu? Comme ça, c'est bon? Oui? Maria, c'est toi qui. Oui, c'est mieux, oui. Voilà. Maria, c'est mon interlocutrice. Donc, <laughs> euh, donc voilà. Donc, c'est euh, Nathalie, euh, les, Thomas. Euh, donc, Nathalie qui va chez Thomas. Hein? Euh, bon, donc les élèves, ils peuvent reconnaître les, les, les personnages. Et euh, vous pouvez leur demander dans le, la langue euh, où se trouve et qu'est-ce qu'ils font faire des hypothèses. Alors ici, ici, il y a les objectifs de l'unité. C'est très important. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il faut motiver les élèves en leur disant tu veux, tu vas apprendre tout ça pour faire quoi. Donc tu vas apprendre dans cette unité, si tu travailles avec moi, tu vas apprendre à parler de ta famille, à décrire la maison, à dire à quelqu'un de faire quelque chose, donc de parler de ta famille, donc des de liens familiaux, du lexique de la maison et le, du point de vue de la grammaire, par exemple, d'utiliser utiliser, l'impératif. Donc, dès le début, il, les élèves savent leur objectif ils connaissent leurs objectifs et puis il y a le dialogue comment on va travailler le dialogue qu'est-ce que vous faites en classe Maria qu'est-ce que tu fais en classe avec tes élèves à partir du dialogue euh, et après je vais vous dire pourquoi on a choisi un dialogue petite question Alors, Dialogue, on les écoute une fois, après on les lit, mais du coup, même s'il y a deux trois personnages, je les fais lire euh, deux trois phrases chacun, comme ça je peux faire lire plus de personnes dans la classe. C'est bien, très bien. Alors pourquoi on a choisi. Euh... Et, et par exemple, et de cette manière-là, ils suivent parce qu'ils savent que ça peut tomber sur eux à n'importe quel moment. Ah oui, parce que quand même, on est professeur, non et Donc il faut motiver les élèves mais il faut aussi leur donner des notes il faut aussi qu'ils qu qu se concentrent que les élèves soient concentrés sur ce qu'ils font sur les activités qu'on propose en classe c'est bien alors déjà pourquoi on a choisi un dialogue on n'a pas choisi un texte un texte descriptif par exemple parce que en fait dans la vie on a dit que l'objectif principal de l'apprentissage d'une langue c'est la communication et quand on euh, la communication, c'est, ça veut dire parler avec quelqu'un. Donc là, c'est un dialogue, un dialogue avec Nathalie, Pascal, Thomas, les parents, etc. Donc c'est très bien commencer et agir en classe, enseigner comme le fait Maria. Donc on fait écouter le dialogue. Vous avez plusieurs choix. Donc euh, ce que je fais moi en classe, je vous dis ce que je fais moi en classe. Déjà, je fais, je propose pas toujours la même, disons, méthode. Pourquoi Parce que sinon, les élèves après ils vont se fatiguer. Au bout d'un moment, ils savent déjà euh, comment je vais procéder. Alors, j'essaie de varier. Donc, deux fois, je leur demande de écouter, hein, et comme fait Maria, après, je leur demande de relire et je demande à quelqu'un de faire euh, euh, de jouer le rôle de Nathalie ou de jouer le, le rôle de Pascal, etc. ou bien ou bien, je leur demande tout simplement de écouter même deux fois et puis je leur laisse le temps de relire, mais pas haute voix et de, on fait ensemble l'exercice de euh, compréhension de l'oral hein? ou bien ou bien ce que je fais c'est que euh, je leur demande de lire euh, toujours pas haute voix et puis et puis avant avant de écouter avant de écouter euh, je leur demande de jouer une petite scène. Je leur dis, par exemple, euh, Maria et puis euh, une autre personne, je ne sais pas, un prénom bulgare. Euh, Dites-moi, Maria, dis-moi un, un prénom bulgare, n'importe qui, de, de jouer le rôle de Nathalie et de jouer le rôle de Pascal. Donc, ce sont les élèves qui jouent avant d'écouter. Alors, oui, là, on peut dire Nicolas. Voilà, voilà. ça fait vulgaire aussi. Ah, C'est bien. Donc, je leur dis d'abord de jouer le rôle et après d'écouter. C'est une manière de leur permettre de euh, s'impliquer et de comparer ce qu'ils sont en train de faire et de comparer aussi leur progrès par rapport à ce que propose le manuel. Mais. En ce moment-là, mon objectif c'est plus la compréhension de l'oral, mais c'est plutôt la production orale. Donc, si je veux travailler la compréhension de l'oral, je fais écouter, je fais le travail que votre collègue a fait, hein, et je propose l'activité de vrai-faux. Alors, dans la première page, vous avez toujours des activités qui sont très rapides, mais qui déjà permettent à l'élève de pouvoir parler à partir de deux premières pages. Il y a la compréhension de l'oral, il y a le... On permet à l'élève, on demande à l'élève de retrouver le lexique qui est euh, important pour l'unité. Dans ce cas, dans notre cas des figures, c'est le lexique lié à la famille. Et puis, on, le, on lui demande à, à l'élève de s'exprimer tout de suite à partir de tout ce qu'il a appris ici donc c'est qui est important c'est qui est important que dans le dialogue ici il a tout ce qu'il lui faut pour parler pour parler pour dire de combien de personnes euh, se composent de sa famille pardon de, de dire s'il y a des frères ou des sœurs de répondre, de dire à qui rassembles tu le plus, à ton père ou à ta mère, et dans ta famille, tu as un animal. C'est-à-dire que l'élève, il va dire tiens, après seulement l'écoute, après seulement un travail sur un dialogue, je peux parler. Et ça, c'est motivant parce que ça ne demande pas énormément de temps. Ça ne demande pas de euh, trois leçons. Vous voyez, donc c'est rapide. Et c'est très important. Il y a tout, tout ce qu'il lui faut dans le dialogue. Il y a tous les lexiques de la, de la famille. Euh, par exemple, dire euh, à qui euh, ça ressemble. Ces questions que normalement vous avez ici résument le dialogue et permettent à l'élève, et dans le dialogue également, il retrouve tous les outils linguistiques et linguistiques pour pouvoir parler. En fait, si vous voulez, à partir de là, il, est, il peut être autonome et peut s'exprimer. Alors, excusez-moi. Alors, on arrive au lexique. Dans la communication, c'est très important. voyez vous que on peut parler hum, une langue étrangère sans plus ou moins connaître la grammaire, mais on ne peut pas parler sans connaître le lexique. Bon, vous pouvez parler la langue française en utilisant euh, les verbes à l'infinitif, mais alors, si vous connaissez pas, si on vous demande euh, de parler de votre famille, comment vous allez faire si vous ne connaissez pas le lexique de la famille C'est impossible. Hein alors, on, euh, on découvre le lexique de la famille. Euh, attendez, voilà. Donc, la famille de Caroline, il y a un arbre généalogique. On demande aux élèves, pas seulement de écouter et de mémoriser, mais de faire en même temps. En fait, vite, l'idée que j'ai eue quand j'ai écrit ce manuel, c'est de impliquer. Euh, de faire agir l'élève quand il travaille il doit agir il doit faire quelque chose on lui demande pas seulement de écouter et de répéter mais de faire les choses une manière pour mémoriser le lexique sur aussi d'écrire donc là on lui demande de euh, écouter et de compléter vous allez me dire mais si lui il connaît pas ce mot. Ah, je vous dis vous, vous rappelez que là il a déjà découvert, le lexique, certains mots. Donc, il est à même de pouvoir écrire. D'accord Et euh, tout de suite, il y a une activité qui lui permet de réutiliser dans un contexte euh, qui ne s'éloigne pas trop de celui du, de l'activité numéro un pour réutiliser son lexique. Et il y a dans tous les manuels il y a des encadrés bon à savoir qui lui donnent un petit plus de culture et de langue après avoir euh, découvert le lexique on passe à la découverte du maison ici, euh, ici on demande aux élèves d'associer les dessins aux mots et puis de côté vérifier alors le premier exercice, activité, c'était d'écouter, de, de compléter. Là, on, donc on le fait et euh, utiliser l'esprit critique parce que d'abord, ils associent et puis ils écoutent pour voir s'ils si ont bien fait. Pourquoi il y a eu ces changements Parce qu'on ne peut pas demander tous les temps aux élèves de écouter, de compléter. Non, ils vont se fatiguer, ils vont dire, Madame, on n'en peut plus. Alors, il faut varier. Et surtout, il faut utiliser l'esprit, il faut permettre aux élèves d'utiliser leur esprit critique. Hum? Et alors, moi, je ne sais pas s'il y a des mots qui sont euh, transparents, mais quand même, dans le dialogue, ils ont déjà appris certains mots qu'ils vont retrouver ici. Donc, après, donc, ils ont fait l'exercice. Vous pouvez demander aux élèves de travailler un binôme. Par exemple, de faire un exercice comme celui-là, de travailler un binôme, et puis vous faites l'écoute avec toute la classe, et puis vous vérifiez. Hmm? Là aussi, il y a une activité hmm, qui euh, permet de vérifier les acquis. Euh, encore une fois, c'est tous les meubles qu'il y a dans la maison. Mais si. On demande aux élèves de écrire le nom des pièces. Ils ils entendent de, euh, des bruits. Pourquoi euh, Je pensais au bruit. Parce que en fait, il y a dans votre, dans vos classes, il y a des élèves qui ont des styles d'apprentissage différents et qui aiment. Il y en a certains qui aiment euh, l'oral, écouter qui aiment les bruits. Donc, pourquoi pas, mais, euh, il faut les utiliser. Et c'est une manière aussi d'impliquer les élèves. Et nous arrivons à la communication. C'est-à-dire, on a euh, découvert, on a appris le lexique et maintenant, on doit parler on fait là on demande aux élèves de écouter de répéter et des fois on fait compléter parce qu'il y a des fonctions communicatives qui sont déjà découvertes dans la partie dialogue et puis il y a des activités d'interaction parce que comme je vous avais dit le but l'objectif de notre apprentissage c'est celui de permettre aux élèves de parler d'interagir. Et quand je parle d'interaction, je ne parle pas seulement de la communication à l'oral, mais aussi de la communication à l'écrit. Par exemple, là, il y a euh, une activité après avoir appris euh, les fonctions communicatives qui permettront aux élèves de parler de la famille, on demande aux élèves de euh, Sarah de compléter un dialogue. Sarah montre une photo de sa famille à Martin, un nouveau copain, complète le dialogue. Donc là, ils doivent utiliser leur esprit critique. Donc, ils ont, il y a un dialogue, où il y a des répliques qui manquent, ils doivent le compléter. Et après, vous pouvez demander de jouer le, le dialogue. Ou bien, bien, je pense que une activité que tout le monde fait, c'est quand on demande, il y a la description de la maison, de l'appartement, on dit Est-ce que tu peux me décrire ton appartement Aux élèves, vous le faites, Maria, tu le fais toi Oui, bien sûr. Voilà. Mais mais ce que je fais aussi, c'est que je leur fais faire un mini dessin de l'appartement de l'autre, comme ça ils, ils voient s'ils ont bien compris. Et après, eux-mêmes, ils, ils décrivent cet appartement. Voilà. Donc, c'est aussi la compréhension, euh, la alors, production et la compréhension. Alors, moi, ce que je fais ici, c'est donc, je montre à un élève ce plan de l'appartement. L'autre va, un élève, donc c'est un jeu de rôle. Un élève regarde cet appartement. Il y en a plein dans le livre. C'est toujours le système de faire l'interaction du jouet de l'interaction parce que l'interaction suppose que une personne parle l'autre fait de la compréhension de l'oral comprend et puis il répond et l'autre doit comprendre et nous on doit travailler de cette manière donc un élève regarde ce plan et doit décrire ses plans et l'autre va à page 117 et vous voyez qu'il y a un autre plan d'appartement donc ça fait qu'un élève Décrit un plan d'un appartement qui n'est pas le même de l'élève B. Donc, ils ont deux plans d'appartements tout à fait différents. Donc, un élève décrit son plan l'autre, qu'est-ce qu'il va faire Il peut prendre des notes il peut le dessiner et après, il doit le décrire au premier élève. Qui lui dit ah oui c'est bien tu as raison oui ah non tu t'es trompé ma cuisine elle se trouve pas là mais c'est à droite etc donc on revient toujours à euh, notre euh, unité est ce que vous avez compris comment euh, là que ce que je propose donc je propose un élève qui regarde ce plan hein, l'autre élève qui regarde l'autre plan et après, ils font un dialogue, c'est-à-dire un décrit son plan, son appartement, et l'autre écoute, il peut prendre des notes, hein? et l'autre élève dit Bon, c'est normal, et, et, et je décris mon appartement, et l'autre écoute, et puis il y a le moment de euh, l'évaluation et de la compréhension de l'oral. Donc, qu'est-ce qu'ils font On travaille sur la production orale, sur la compréhension orale, donc c'est l'interaction, la communication. Toute cette partie, Dédié au son et aux lettres, c'est-à-dire à la phonétique. Déjà, déjà, vous avez travaillé la phonétique. Vous avez travaillé la phonétique quand vous avez fait l'écoute du dialogue, quand vous avez fait l'écoute et la répétition du lexique, quand là, vous avez travaillé la, euh, les fonctions communicatives. C est, c est, toutes ces activités-là, ce sont des activités qui permettent aux élèves de. Euh, mieux euh, connaître les sons. La prononciation de certains sons et de se concentrer sur certains sons qu'il doivent connaître pour bien s'exprimer en français. Parce que quand même, bon, ce n'est pas le cas ici. Comme je disais avant, il y a une grosse différence entre « ils ont » et « ils sont ». Voilà, c'est dans cette section de euh, « vite » qu'on leur apprend à, euh, différencier des sons. Une chose que je n'ai pas dit et qui peut aider vos élèves, que les différentes parties du euh, du de vite qui sont liées, par exemple, au dialogue, il y a c'est toujours euh, coloré, c'est normalement normalement du de vert. Les pages dédiées au Lexique, c'est toujours de cette couleur. Et puis les pages dédiées à la communication, c'est toujours du bleu ciel. Puis il y a euh, les pages grammaire, c'est toujours du jaune. C'est pour pas mettre aux élèves. La couleur aide aussi l'apprentissage. La grammaire. Alors comment tra j'ai travaillé la grammaire. J'ai vu qu'avec mes élèves euh, que mes élèves appréciaient quand je, je expliquais, on travaillait ensemble une structure de grammaire et puis tout de suite je leur donnais une activité à faire. Donc il y a toujours l'explication, l'introduction de la structure de grammaire et puis des activités. Comme je l'ai souligné dans le dialogue, déjà ils ont rencontré les lexiques. Les fonctions communicatives et le, les structures de grammaire qui retrouvent euh, ici dans cette page. Vous vous souvenez déjà le titre chez Thomas euh, Puis par exemple, il y avait. Attendez, on va voir. Hein, il y avait euh, ensemble. Euh, tu connais. Euh, tu connais quelqu'un, il dit. Hein, donc il y a tout. en fait, le dialogue, c'est un dialogue simple et riche qui, 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 permet, qui vous permet de introduire tous les outils linguistiques que vous allez pr présenter dans l'unité. Euh, il y avait aussi des impératifs. donc, chez et avec, il y a la présentation. Il y avait déjà, ils ont déjà découvert cette proposition dans le dialogue. Là, ils la retrouvent et on étudie son fonctionnement. Ils ont appris, ils ont compris comment fonctionne de manière naturelle. Là, ils apprennent mieux son fonctionnement. Ils raisonnent sur son fonctionnement et on leur demande d'appliquer dans des activités. Euh, le pronom on. Et l'impératif. Alors, pour l'impératif, regardez comment... Euh, Qu'est-ce qu'on demande aux élèves L'impératif, c'est un mode qui dérive du présent de l'indicatif. Hein? Et on demande aux élèves tout d'abord de compléter le présent. Et puis, ils se rendent compte que l'impératif dérive en fait du présent. S'ils connaissent... Le présent de l'indicatif, ils peuvent comprendre tout de suite, ils savent qu'est-ce que l'impératif. Il y a plusieurs fois, j'utilise cette méthode pour permettre aux élèves de, leur, de, 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 de comprendre que la grammaire, ce n'est pas quelque chose de très difficile. S'ils connaissent certaines euh, structures, ils peuvent connaître, ils peuvent en connaître d'autres et de manière simple. Puis il y a l'explication et donc l'activité pour euh, utiliser. Tout d'abord, on demande de souligner dans certaines phrases l'impératif. Donc, ils vont euh, utiliser de manière euh, naturelle. Puis il y a l'exercice de transformation. D'accord Donc, d'abord de reconnaissance et puis des transformations. On présente le présent de l'indicatif du verbe connaître et après avoir appris le lexique, les fonctions communicatives, les grammaires, on passe la grammaire, on passe au savoir-faire, c'est-à-dire que là c'est le moment de utiliser le, la langue française tout ce qu'on a appris en contexte. Donc on écoute ce, un dialogue sur les maisons. On demande aux élèves de regardez ces fenêtres et puis imagine imagine euh, les personnes qui habitent qu'est-ce qu'on fait là oh, oh, la pièce qu'il y a à l'intérieur on leur demande de décrire selon leur imagination une, euh, une pièce et les personnes qui habitent et puis de répondre d'associer des annonces à, à des personnes hmm? d'accord euh, alors, attendez, je vais vous montrer. Est-ce qu'il y a des questions Non Non, merci. D'accord. Alors, la partie évaluation, auto-évaluation, c'est-à-dire, ce sont des petits exercices très simples, très rapides, parce que des fois, on n'a pas trop de temps, hein, pour qui permettent aux élèves de préparer leur contrôle et qui permettent aux élèves de savoir s'ils ont acquis des contenus des, du lexique, les fonctions communicatives et la euh, structure des grammaires. Ou bien s'ils doivent reviser hein, ou doivent revenir dans certaines pages pour revoir, pour mieux mémoriser avant le contrôle. Hein. Et là vous avez des points. Euh, donc, je vais vous montrer également euh, donc les pages interactives où il y a les chansons. Donc, il y a les exercices comme celui que je vous avais montré, et euh, je vais montrer là il y avait le tout en scène. Donc, euh, la petite pièce que je vous demande de si vous voulez, si vous avez envie de faire de mettre en scène avec vos élèves, je reviens en arrière. Voilà excusez-moi. Voilà pour parler juste un instant de ces pages, ces pages ce sont les pages culturelles. Comme je vous disais, ce sont des pages euh, qui permettent aux, de, qu permet, que, que, que permettent aux élèves de dire, bon, je, je travaille le français, j'étudie le français pour faire quoi Et qui motivent l'élève le, le, et qui le mettent en contact avec la culture francophone. Ce sont des pages très colorées, avec, bien évidemment, vu le niveau linguistique de l'élève très simple, avec des belles photos qui évoquent un monde, qui évoquent une culture. Là, c'est une jeune fille qui explique la francophonie, c'est quoi, mais surtout qui donne peu, comme vous voyez, de, de contenu, mais énormément de photos, de contenu euh, iconographique. Parce que euh, si nous, on a des élèves qui font partie de la nouvelle génération Z, et ce sont des élèves qui ont l'habitude de, de voir des photos, de voir euh, énormément de photos, donc et qu'ils apprennent et qui mémorisent plus facilement avec des photos. Et donc, on leur montre le euh, nombre de pays où on parle euh, le français. On, lui demande, on leur demande d'observer la carte de la francophonie et de indiquer pour chaque continent trois pays où l'on parle français. Vous voyez, ce sont des activités simples mais qui permettent aux élèves de réussir. En fait, notre objectif c'est celui de faire apprendre à l'élève la langue française, de le faire, de lui faire aimer la langue française. Et nous, notre objectif c'est aussi de mettre des bonnes notes. Si un élève a une bonne, une bonne note, il sera plus motivé. Et s'il si réussit à faire l'activité, c'est encore mieux. Parce que si des fois on lui donne des activités difficiles, eh bien, il vient là et dit, ah madame, j'arrive pas, c'est trop compliqué. Et puis au bout de moment, il se fatigue, il fait plus l'activité. Et là, c'est une activité de compréhension de l'écrit. Et on demande aussi à l'élève de faire une petite euh, tâche. C'est-à-dire, choisis un pays francophone et avec ton professeur d'histoire ou de géographie, cherche des informations pour compléter l'affiche ci-dessous. Avec les recherches faites par tes copains et avec quelques photos trouvées dans un, des magazines ou maga oui, ou sur Internet, crée un poster et affiche en classe. Demandez de l'aide si besoin à votre professeur de dessin ou de technologie. Donc, dans votre classe, vous pouvez faire euh, des petites affiches euh, francophone euh, à mettre à coller sur le mur. Alors, est-ce qu'il est... Qu il est euh, chez moi, c'est 16h55 et chez vous, c'est 17h55. Est-ce qu'il y a des questions à me poser à propos de la méthode? Je vous montre le cahier. Entre-temps, vous réfléchissez. Donc là, c'est le cahier où vous avez euh, une page avec des activités à euh, donner à la maison, travail autonome, pour voir s'ils ont bien compris le dialogue. Hein? Euh, puis, il y a des activités pour, euh, sur le lexique. Et vous voyez, en haut, il y a toujours un lien. Euh, avec la page du manuel qui permet à, à l'élève tout de suite d'aller euh, sous la page de manuel et de voir. Donc, lire les textes, là c'est une activité de compréhension écrite. Euh, lire les textes, complète l'arbre généalogique. Observe la maison d'éclair, complète le mail qu'elle a envoyé à son amie Karine. C'est-à-dire que ici, on demande vraiment aux élèves d'imaginer. Comme il le fait dans la vie de tous les jours, de faire certaines actions. Donc, de, euh, là, c'est une, une activité de compréhension écrite, mais plus de vrai-faux, parce qu'en fait, dans la vie de tous les jours, on ne fait pas du vrai-faux. D'écrire à partir d'un dessin et de euh, trouver l'ordre d'un dialogue. Donc, après, vous pouvez euh, le, euh, le faire jouer et euh, de écrire une annonce hein, euh, avec ce plan de l'appartement. Alors après là c'est la partie grammaire. Pour chaque structure qui a été présentée dans le manuel dans le livre de l'élève, il y a toujours des activités qui permettent de renforcer les acquis, de bien mémoriser. Et là c'est pour aller plus loin. Pour ceux qui sont, euh, je ne vais pas dire les meilleurs de la classe, mais pour ceux qui veulent euh, se mettre en question et avancer, plus, qui avancent plus rapidement, il y a des, des activités en plus. Là, c'est mon réveil qui sonne et des activités de son et lettres sur la phonétique et puis les activités savoir-faire, toujours autour du lexique et des fonctions communicatives qu'on a présentées en classe et la partie auto-évaluation. Hein? C'est-à-dire que de manière simple, l'élève il peut euh, il, il, il sait si à l'oral il peut il est à même de parler de sa famille, il euh, de dire à quelqu'un de faire quelque chose, si tu dois aller à l'école et tu arrêtes, qu'est-ce à... que dis tu à ta mère euh, à l'écrit, il sait décrire sa famille. Parce qu'on lui a appris en classe à décrire sa famille, donc là il est autonome, il peut se auto évaluer et de décrire sa maison. Donc voilà euh, la progression de vite. C'est une progression à spirale qui permet à tout moment à l'élève de réutiliser tout ce qu'il a euh, utile, ce qu'il a appris. Et si vous voulez, on ajoute un petit peu. En plus, mais ce petit peu en plus se trouve ancré dans du lexique des fonctions communicatives de la grammaire qui lui permettent vraiment de communiquer. Hum? Est-ce que c'est euh, ce que je me suis bien expliqué? Oui, très bien. Je vous remercie. Alors là, je voulais vous dire, euh, il y a des euh, la page Facebook de Ellie où il y a des webinaires l'e-mail si vous avez des questions à poser ou de, envie d'en savoir plus et mon adresse également email, si vous voulez mais euh, si vous avez des questions à me poser merci donc lâche, je laisse la parole à Clette représentante de Clette mmh. Ако имате някакви въпроси, както виждате, можете към Анна Мария директно да се обърнете. А ако имате въпроси за българската система, вид, пишете ни, не се притеснявайте. По всякакъв начин, на имейл, на телефон се свържете с нас, ще ви отговорим. Много ви благодаря. Овар! Овар! Бонжурне! Овар!